Tu aimes entendre mon clavier. Tu voudrais deviner ce que je suis en train de frapper. Ta curiosité est très très mal placée, mais tu n'as su résister à l'appel du stream à l'arrache. Et oui, c'est encore un stream à l'arrache. On ne m'arrête plus car en ce moment, je dois avouer que les activités intenses environnantes me permettent de consacrer beaucoup de temps à cet émulateur extraordinaire qui est MAME et retourner à ces vieilles ROM de shmup que je n'avais pas eu le plaisir de parcourir étant minot. Et je dois avouer que ça me manque beaucoup. On retourne en quelle année avec la DeLorean magique de Monsieur K? Eh bien, on va retourner en 1996 ce soir avec un titre qui pourrait paraître un peu fluet sur l'apparence, quelconque dans la dénomination, mais n'en cache pas moins un très bon clone de 1941, si mon MAME au deuxième lancement veut bien fonctionner. Rire diabolique, copyright myself. Bien, va-t-on arriver à se régaler? Alors, je vous promets que ce soir, je vais jouer en pleine forme, donc j'ai préparé tous les mouchoirs. Je suis sponsorisé par une marque de mouchoirs jetables qui commence par un F. Et non, ce n'était pas un K. Un F. Si vous m'entendez souffler et faire du bruit régulièrement, ce n'est rien d'autre que mon nez qui coule abondamment et généreusement et est en train de noyer mes mains accrochées au pad. Car oui, je vais jouer à un shmup, à un pad. Et les connaisseurs me comprennent, je suis le premier à faire pas bien là les gars. Un shmup ça se joue avec un stick et des bons vieux boutons qui font tic 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 tic. Point. Il n'y a rien à négocier. N'essayez même pas d'argumenter. Donc ergalé, bah voilà. Je vous avais pas menti, c'est quand même un bon clone 1941, Redline, tous ces bons vieux scrolls verticaux qui avaient des recettes qui se repliquaient les uns les autres. Oh attention l'avion de ravitaillement avec le bonus. On ne s'y attend même pas et on va s'y engouffrer. Et du coup, je peux pas mettre 99 crédits, j'en avoir pas. Je suis pas bon là, c'est ça. Je suis fatigué. Alors, prends la pression. Le bouton, ça va plus vite, parce que maintenant, il faut savoir. Je connais ça, je fais ça. Hop, hop, hop. Et maintenant, on tire. Bon, pan, pan, les méchants, ils sont où? Alors, je vais vous refaire parce que ça a beaucoup marché sur le stream précédent. En même temps que je vous fais la découverte du chemin, je vous fais un petit cours de géopolitique. Et oui, mais fallait pas en redemander, quoi, c'est tout, c'est votre faute. On m'aurait pas dit, j'aurais fermé ma gueule, mais là, l'occasion est très bien. Donc, un petit cours de géopolitique. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la Pologne. Pourquoi la Pologne? Je voulais voir jusqu'à quel point j'étais capable de faire n'importe quoi en jouant au chemin, quoi. Apparemment, je peux aller très très loin, mais je vais essayer de m'arrêter là parce qu'après ça va être très rapide. Et des gens un peu susceptibles de dire non vouloir. Alors que ce serait plus rapide. Je n'ai toujours pas essayé cette bombe, il est temps. Je suis colère. Je suis furie. Je suis. La bougie de pixel qui est en bas de l'écran. Les gars, vous m'avez eu. Ce n'est pas très sympa. Prenez garde à mon courroux. Parce que s'il arrive deux fois, ça fera le courroux courroux. Et après, poindra le Paloma. Car courroux courroux, Paloma, tout le monde le sait. Comment ça? C'est un vieux truc. Oui, c'est un truc de vieux même, je dirais. Mais ça fonctionne encore. Oh là là, les commandes sont trop sensibles. Ça n'a pas beaucoup de faire. Je spoil direct en disant, si on voit le premier boss, on aura de la chance déjà. Monsieur, non! Mais c'est tout orange, là, qu'est-ce que je vois comme bleu orange? On va faire un peu pour un jambon. Ce tir, je l'ai pas trop compris, là. Faire avec, hein. Est-ce qu'il est question de choix? Non, je ne crois pas. On ne vient rien faire. Regardez, je suis le stress intense de Satan. Je suis là. Là. L'incertitude du joueur qui va remettre un crédit. Ah, il est chiant de tirer ce tir en fait. Il se lock quand on garde le tir à pied. Mais il faut le mettre à la bonne position avant, sinon il tire dans le vent. Ok. Ah, bon, ça servira. Bon.
Non, ah, non, c'est pas des tirs comme ça. Monsieur, monsieur, non. Non, 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 non. Qu'est-ce qu'on a dit à propos? Les tirs bleus comme ça, on se fait toujours avoir. L'algo est trop trop bien mis. Donc, je suis désolé pour les gens qui attendaient mon super béni ce soir, ce ne sera pas possible. Je vais me passer déjà deux crédits pour même pas entamer un moitié avec des sauts qui bullent. Oh. Tu vas ressentir mon courroux. Une carte de courroux, je parlais. Et je peux pas prendre en même temps. Comment ça, c'est pas. Et oui, il faut que je développe en plus le côté. Géopolitique. Donc. Une navette spatiale russe, faite par des SDF, des super SDF d'ailleurs, est-ce que ça ne vous paraît pas un peu louche quand même? Oui, oui. Donc là on se dit, des gens asiatiques, ne seraient-ils pas en train de faire un gros coup pour nous, gentils européens, casser cette belle union qui fait de nous un peuple fier et généreux et capable de recevoir des réfugiés sans les traiter comme des merdes? Comment ça, j'ai déjà... Non, pas du tout, j'ai la partie géopolitique du stream. Donc on voit que j'ai gagné avec succès de la main droite. Je le rappelle pour les droitiers, parce que je suis gaucher, et que le gaucher adore se foutre de la gueule des droitiers. Je vais te voir comme une petite chanson. C'est pour ça qu'on a tout passé en numérique d'ailleurs, parce que vous nous faites vraiment pitié les droitiers. Mais bon, ça c'est clair, mais ça c'est... Vous n'avez pas mis d'accord sur ce stream. Et donc, on voit que, politiquement parlant, la Pologne, dans l'architecture, c'est pas terrible. Regardez ma fille. C'est très carré quand même. Non, parce que, sorti des objectifs, on ne sait pas quoi d'ailleurs. Que peut bien se faire en Pologne. Le pétrole, il n'en a pas. L'argent, ça sort. On se fait pas chier, là, excuse. Et donc. Je n'ai pas une bombe mais enfin je vais pas te mieux. Je vais même m'en mettre une bombe de train. Ah il aurait fait lutter là, ça commence à venir. Tout ce qui est du jeu, je me suis dit, c'est pas quoi le cas. Alors le truc qui est bien dans ce stream de ce soir, c'est que je parle de tout sauf du jeu du tout. Il faut dire la Pologne. Je parle du jeu. Donc voilà, on a un jeu qui est vraiment chouette. Sympa, équilibré. Et qui du coup en fait fait trop le travail qu'on a vu dans d'autres titres. Il y a un gros monde sur le jeu. Alors, sorti sur ce tir qui est vraiment très particulier à maîtriser. Ouais, la réalité, hein. Je vais vraiment faire une super méga position. Messieurs, on est en direct, arrête de me tirer dessus. Et oui, compatis un peu, c'est quelque chose. Je ne maîtrise pas du tout ce tir. Au moins, vous êtes au courant que je n'ai jamais joué de ma vie à ce jeu. Mais il est bien du coup pour ça. Parce que je pense que une fois que la truc s'est maîtrisé, mais vous m'énervez dans les vents. Ça va être merveilleux, un crédit, tout fait, un second là. Je sais pas si ça se stream sur la tête. Non, faut pas là. Ça s'appelle la honte. J'ai calé mes petits canons pile dans l'axe et j'ai mis la rage. C'est sur cette défaite ultime, cette façon de ridiculiser le joueur plein de bonne volonté à venir taquiner du rétro gaming que nous allons terminer ce stream. Je suis vaincu, je l'avoue. La grande leçon de ce soir, ça aura été que, dans le jeu, il est essentiel d'apprendre l'humilité, petit scarabée. Car si tu ne la connais pas, rassure-toi, des devs un petit peu plus longs et pervers se font un grand plaisir de te le rappeler en disant que c'est fait exprès, alors que eux-mêmes ne savaient pas que c'était fait exprès. Voilà. Sur cette petite phrase, je vous laisse méditer, je vous fais des gros bisous, et je vous préviens d'avance que le prochain stream ne parlera absolument pas de fission nucléaire,
et des passages sous les routes pour faire passer les crapauds. Bonne soirée. Wouhou! Your socks off.